de Jeanne, celle qui devint pirate, la tigresse de Bretagne. Une histoire de femme et de ses deux enfants. Celle qui fut la terreur du royaume des Francs. Olivier de Clisson, son mari fut tué. À la porte de Nantes, sa tête fut accrochée. Pour alliance au Montfort, le royaume d'Angleterre. Contre l'envahisseur qui lui volait sa terre. Le poignard à la main, mais la mort dans l'âme. Débutèrent les tueries, la vengeance de Jeanne. En la loi sans allié, que le diable en personne. De laisser entendre que le canon qui tord. Elle écumait les mers, chassant la fleur de lys, enseignant les batailles et la mer à ses fils. Et les marins français tremblaient face au vaisseau. Arborant le joli Roger comme le drapeau. La 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 la. Bâtiment coulé, l'ultime défaite, elle put s'échapper, dérivant sur les flots avec ses deux jeunes gars. Elle vit l'un de ses enfants mourir dans ses bras. C'est ainsi que disparut Jeanne de Clisson, pour élever son dernier descendant breton. Mais le destin aussi a voulu sa revanche. Devint connétable auprès du roi de France. Ici prennent fin les aventures de Jeanne, la Jeanne de Clisson exilée de Bretagne. L'histoire d'une veuve et de ses deux enfants. Celle qui fut la terreur du royaume des